Aujourd'hui, je te fais une recette de dibi bien fumée, bien smoky, avec une très bonne marinade à la moutarde, des oignons caramélisés. Alors, c'est parti. Donc, voici les ingrédients qu'on va utiliser. C'est un dibi au poulet. Je vais commencer par faire le mélange d'assaisonnement. On va écraser ensemble de l'ail, du gingembre, un morceau de piment, un peu de poudre d'oignon, du bouillon, ou bien du sel et puis du citron, et puis on écrase très bien. J'utilise ici le mortier, mais vous pouvez aussi le faire dans un mixeur, mais j'aime vraiment beaucoup la texture avec le mortier. Mais faites vraiment comme ce qui vous arrange. Cet assaisonnement, c'est vraiment une tuerie. J'espère que vous allez essayer cette recette parce que c'est vraiment vraiment super bon. Écoutez, maintenant on a fini d'écraser, je renverse ça dans un petit plat et puis on va ajouter de la moutarde. Ici j'utilise la moutarde de Dijon. On va utiliser 2 cuillères à soupe de moutarde. Si vous n'aimez pas trop la moutarde, vous pouvez juste mettre 1 cuillère. Je mets de l'huile pour lier tout ça et on mélange bien. Et puis voilà, je réserve la marinade de côté et on va s'occuper du poulet. J'ai demandé à ce qu'on coupe le poulet en tout petits morceaux pour que ça puisse bien prendre la marinade. On va nettoyer bien avec du citron. J'enlève l'excédent d'eau avec du sopalin et maintenant on va ajouter la marinade et très bien mélanger. Mélanger, mélanger, mélanger bien et puis on va laisser reposer au moins 30 minutes. Après les 30 minutes, je mets ça dans un plat allant au four 200 degrés. Après 45 minutes de cuisson, on va ajouter les oignons auxquels on a ajouté le reste de l'assaisonnement et on remet encore au four pendant 10 à 15 minutes. Pour avoir le goût fumé, smoky, je vais utiliser du charbon que je vais allumer. On y ajoute 1 goutte ou 2 gouttes d'huile pour créer la fumée. Maintenant, on ferme pour que la viande puisse prendre ce goût un peu fumé. Très bon. Servez ça maintenant avec l'accompagnement de votre choix. À bientôt. Bye bye.